N'a pas salué tout militant, population haïtienne en général qui est engagée dans la bataille. Ça. Et m'a salué de façon spéciale. Frère Nouyo, c'est Nouyo qui couche actuellement sous cabane de l'hôpital. N'a pas salué Zami Nouyo, camarade Nouyo, qui est actuellement en prison. N'a pas salué tout. Zami Nouyo, camarade nous, militants qui actuellement derrière barricade. Il y a pile barricade, nous connaissons pouvoir à faire un pile répression, mais détermination peuple haïtien par un monde qui a cassé. M'a salué tous les parents qui ont un pile monde qui est tombé dans la bataille, un pile monde qui mourit. Nous sommes vivre 2 semaines de répression noire. 2 semaines noires parce que pour voir ça, il y a une seule âme dans le moment, c'est la répression totale, brutale contre les peuples haïtiens. Jodia, nous venons adresser nous avec les peuples haïtiens. Pour nous dire, les âmes qui ont gagné, qui sont mobilisation de la guerre. Pour nous dire, attachement qui ont gagné avec eux. Nous ne pouvons pas céder un pouce là-dedans. Pour nous dire tout, dans la dimension bataille arrivée là, pour moi-même et pour tout dirigeant signataire alternative consensuel là, victoire dans mes peuples là déjà. L'irrité pour nous faire la dernière marche là, marche finale là, et qui c'est dans le jour qu'à venir. L'homme dit match final là, ça veut dire qu'il y a des mails, qu'après des mails, qu'il y a dans quelques jours. Mais celle ça nous connaît victoire, il y a mes peuples là déjà. Parce que les peuples haïtiens sont peuples qui ont conviction, qui ont attachement et sont peuples de combat, ils ne peuvent pas céder pour personne. Et dans ce sens, on a dit, peuple haïtien, bataille pour destin là, il faut continuer à faire. On a dit, jeunesse haïtien, bataille pour changement, il faut continuer à faire. On a dit, diaspora, dans toutes composantes, parce que ma bonne information là, il y a un pile diaspora qui, en dedans, communauté haïtienne à l'extérieur qui a porté un pile support dans la bataille là sous toute forme. Il y a un pile tout par rapport avec compétences, savoir, connaissances qui n'a un pile l'autre administration d'ailleurs dans l'autre l'État et qui a porté coup de main dans la bataille. Et nous avons dit, nous prenons notre dessin. Et nous avons garanti que la transition qui va engager là, c'est effectivement une transition de rupture. Et nous avons dit, population, rupture que nous avons parlé, l'a fait de manière progressive. Ça veut dire son système qui est bien ancré en dedans le pays. Ça veut dire que de temps en temps, nous avons avancé sur lui pour le déraciner. Moi, je ne suis pas capable de commencer pour nous pas une deuxième fois, parce que c'est la première conférence de presse, nous, après l'accord Mariotte, pour nous déplorer encore et condamner ça qui est arrivé à Mariotte, dans la soirée 9 novembre, l'heure a gagné un journaliste métropole qui était agressé. Donc, il était fait et je dis encore, dans la conférence de presse, ça, c'est une responsabilité pour nous redire encore que genre de comportement ça, nous-mêmes, nous condamnons et c'est justement engagement nous dans le cadre de la bataille que nous menons aujourd'hui. Alors, pour me parler de encore, Jean, collègue Nenel se parlait tout à l'heure, je ne suis pas capable d'ignorer les 2 précédentes journées qui t'a gagné samedi 2 novembre dans Kinam 2 avec lundi 4 novembre dans Oasis. Alors, dans la rencontre Kinam 2 qui était samedi 2 novembre, nous t'a gagné
deux absents dans la rencontre, ça, c'était Forum Patriotique avec, avec Marché Contré. Maintenant, ça qui est extrêmement intéressant dans la rencontre de novembre, rencontre 4 novembre, là, lundi, dans l'Oasis, c'est que Marché Contré avec Forum Patriotique va le retrouver autour de table-là, naturellement, sous invitation pastorale. Et c'est là que nous allons comprendre un accord qui va l'accoucher le 9 novembre, là, que pour certains, ils pensaient que c'était son accord qui est fragile. Il n'est pas fragile, parce que déjà dans la rencontre Oasis là, le 4 novembre, il était déjà montré tendance qui était gagnée, hein, disposition Marché Contré avec Forum Patriotique pour arriver à accord ça. Mais accord ça, qui est ça qui la donne comme fondamental, comme des points, nous t'as dit, qui fait, nous t'as dit, ossature, qui fait base bataille que nous avons menée, c'est bataille contre corruption dans le procès pétro-caribéen. C'est justement procès à criminel que le pouvoir Jovenel Moïse a fait sous Moun La Saline, il a fait sous Moun Kafoufeuille, et que récemment, et qui est en train justement, qu'il a fait toujours, sous Moun Belé. Ces questions procès ou détournement de fonds via Sofidae, qui c'est une invention de Jovenel Moïse pour court-circuiter le circuit normal de FDIO, pour capable justement faire bénéficier à partisans Lio l'argent qui est disponible pour que jeunes garçons avec jeunes femmes qui ont fait business dans la rue capable de jouer des prêts. Donc ensemble d'éléments, c'est des éléments justement qui va adresser dans le cadre de transition qui va mettre sous pied. Donc à quoi ça? Il y a un peu de monde qui parle des éléments là-dedans. Mais tout ça qu'il y a parlé, soit dans la presse ou bien le monde qui a intervenu là-dedans, c'est des éléments qui va rentrer dans le cadre global. L'accord de Mariotte, son bagage qui est très large, et progressivement des éléments va rentrer là-dedans. Par exemple, commission, création de commission de 5 membres et de 2 membres de secteur privé qui va travailler sous critères justement d'éligibilité ou de sélection de monde qui va assurer présidence transition et qui va venir premier ministre justement à côté de président de transition pour diriger un gouvernement. Donc c'est des éléments qui va ajouter. Question thème de référence, justement, il y a travail sur Yokounia là. Donc gagner un accord minimal sur un ensemble de points qui progressivement va paraître dans un accord global là, justement. Donc feuille de route là, par exemple, Kounia là, c'est un document qui presque fait prêt, parce que c'est à travers lui-même que on va l'adresser un ensemble de problèmes et qui va bailler la directive très claire de la manière dont pays ça va le diriger après le départ de Jovenel Moïse. Donc, pour répéter moins rapidement, c'est un accord qui est satisfaisant parce que, comme camarade Daniel t'a dit tout à l'heure, il y a des gens qui t'attendent échec. Jodi a li né, li prend naissance et li bel et bien existé, mais il y a des gens qui vont le contourner, le cap d'où est-il pas signé, etc. Mais c'est très méchant. Par exemple, la famille Lavalas, soit nous saluer les dirigeants de la famille Lavalas, qui en dépit de désaccords que vous avez sous éléments, mais alors que dans l'ensemble, sous question de départ Jovenel Moïse, ils ont tout à fait à 100% la donne et à l'intérieur de mobilisation. Donc c'est un coup de chapeau pour eux. Il reste justement à garder plus devant la manière que eux-mêmes ont intégré justement des marches qui bral mener dans la direction pays au départ de Jovenel Moïse. Donc globalement, c'est ça l'accord. L'accord, ce n'est pas un accord qui joigne sous pression de qui que ce soit, parce que les acteurs ou bien des secteurs ou bien structures qui englobaient d'autres partis politiques et d'organisations de la société civile, ils ont été montrés très clairement au cours des 2 journées précédentes, volonté affichée très claire pour aller vers un accord. Et accord ça, c'est lui-même nous gagnons. Mais nous, Jean-Nenel t'a dit, pour que plus que jamais, personne ne prenne prétexte que nous ne payons rien pour remplacer Jovenel. Maintenant, il y a une alternative consensuelle pour remplacer Jovenel Moïse dans le palais national dans les prochains jours. Nous avons une alternative. Nous unis. Jodia, plus de prétexte dans le combat que nous avons mené. Nous profitons de l'occasion ça pour nous retirer le chapeau bien bas devant toutes les jeunes femmes, jeunes garçons qui campaient gourmets
devenu centre-ville, yo, rivé dans la dernière section communale dans le pays. Nous n'avons pas l'argent pour nous payer les gens. Mais cependant, conviction et détermination pour changer la situation, ça fait que nous campons malgré répression, malgré assassinat, malgré arrestation. Chapeau bas pour nous, militants dans le département de l'Ouest, dans tout le ghetto, yo, dans nos pays, dans Gonaïve, dans Miragouane, dans Saint-Marc, dans Mirambalais, dans Nord-Est, dans Fort-Liberté, dans Jacmel, dans quatre coins pays, à Kaye Cabaret, qui campe Goumen et Jodia, qui rivait mettre l'ennemi en grande difficulté. Jodia, pendant que je parle avec nous là, Sola, à peine rentré, il n'a pas le national, il a réuni avec deux trois parlementaires avec Jovenel Moïse, côté que Jovenel Moïse a pressé le cafon. Tentative de dernière chance. Pour Blanc, tu as venu d'être une stratégie pour le sauver, mais Jovenel, pape qu'a sauvé. Et ça que nous dit, jeudi, nous te disons déjà, c'était la semaine de Vertière. Vertière, c'est dans quelques jours. Nous baptisons journée ça, journée de combat. Journée de combat, même Jean en 1803. Zanset, nous avons campé, nous avons goumé en face de l'armée napoléonienne. Nous avons campé en face de l'armée napoléonienne. L'armée la plus puissante de l'époque, les va-nu-pieds qui battent pile d'armes, qui étaient pieds à terre pendant nos chirés, mais ont défié l'ordre mondial. Et je dis, nous-mêmes, qui avons tout moyen à disposition, nous avons Internet, nous avons technologie, nous avons parlé, nous avons l'école, nous avons instruit. Ça t'aggrave en pile pour ne pas t'abattre le pays à une autre liberté. Et comme de fait, nous avons goumé et nous avons privé le pays à liberté. À partir de je dis, jusqu'à 18 novembre, Kabila, nous en mode de combat. Belé en mode de combat. Zesole en mode de combat. Tout ghetto en mode de combat. Tout pays en mode de combat. Parce que de toute façon, n'a privé de joindre bout de Jovenel Moïse. Pour qui ça, n'a met Jovenel dehors en deux pays. En deux parlement national, pardon, parce qu'il faut l'arrêter pour le juger. N'a met Jovenel Moïse dehors. Parce que je dis, après 7 ans, près de 8 ans au pouvoir de PHTK, ils ont conduit le pays vers une banqueroute économique. Ils ont conduit le pays vers une faillite totale capitale. Je dis à même l'espoir dans le pays. On a poussé Jovenel Moïse de l'Union internationale parce que il a mis le trempé dans l'argent pétro-caribé. Madame, il a mis le trempé dans la question de Malog. Tout allait Jovenel mêlé dans la corruption. Sans oublier tout parlementaire qui a accompagné dans toute exaction qu'il a fait dans le pays. Ça fait nous dit 18 novembre, mot d'ordre l'a lancé. Nous avons rassemblé dans différents coins habituels. Nous avons pris direction Carrefour de l'aéroport. Et comme nous connaissons, direction c'est Pétionville. Nous avons plongé la route de Delma. Et nous avons demandé pourquoi des bouquets rejoignent nous. Soleil rejoignent nous. Chalmas rejoignent nous. Canapé vert rejoignent nous. Jalousie, Désermite, Filippo. Tout ghetto qui environne Pétionville a rejoindre nous. Pour nous constituer cette force inébranlable et justement pour nous faire face avec l'ennemi. Jodian nous connaît très bien, ce n'est pas Jovenel Nabgoumé pour nous parler. Jodian Nabgoumé avec nous qui a supporté Jovenel. Jodian Nabgoumé avec Sila qui dit il a protégé Jovenel Moïse au détriment de la volonté du peuple haïtien. Jodian nos pays, où on est qui dit ce chef d'État qui n'a pas ouvert l'école. Gounet qui dit ce chef d'État qui n'a pas qu'à permettre que Buzis ouvre dans le pays. Gounet qui dit ce chef d'État qui n'a pas qu'à permettre que il garantit la sécurité des vies et des biens dans le pays. Gounet chef d'État que déplacement limité. Et ça fait nous dire très clairement 18 novembre, c'est vrai, tout le pays a mobilisé. Mais nous mettons accent particulièrement dans l'ouest pays et dans nos pays. Parce qu'il n'est pas question, tenez bien, il n'est pas question que Jovenel Moïse a souillé justement monument Vertière que les ancêtres nous ont quitté bouté ça pour nous. Nègne Noyo, Nègne Nambanan, Nègne Sitelescoyo, Nègne tout ghetto, et bien nous avons campé sous Vertière parce qu'en aucun cas, même j'entends peut-être Jovenel Moïse, et bien le cracher sous cadavre de Saline Pont-Rouge, même j'entends Péchel à jaser sous cadavre de Saline, dans marché de Saline, et bien nous avons fait même petit bagage là. Abonnez-vous d'ailleurs, salut! Tout le monde, là c'est votre nous en mode de combat. Merci un peu. Alternative là, bon pensée spéciale. Pour tout le monde en dans quartier populaire, spécialement Belé, Kafou Béan, Riel Maya, Solino,
qui dans situation difficile à cause Jovenel Mante bay un bon bandi zam motocyclette gilet par balle et tout moyen pour assassiner moun dans quartier ça. A remarquer le 13 novembre a dépassé et novembre ça a fait exactement un an depuis gen l'autre massacre qui fait massacre fait sous Belay, massacre fait Kafoupeyo, massacre fait Riel Maya et massacre fait en dans Solino. Donc Jovenel Mante a assemblé dossier mettez sous tête li pour le gen pays a gen bon justice. M'a commencé avec information peuple a doué konnen. Mardi soir, il y a une rencontre qui fait Kay Jovenel Mante. Et qui est-ce qui est dans la rencontre ça? Tu as gagné Stanley Andal, tu as gagné Olivier Akra, tu as gagné René Marc Auguste, tu as gagné Ouven Bidjo. Et qui objectif rencontre ça? Jovenel Mante, conscient, eh bien, toute partie politique yo regroupé ensemble, il a demandé des balles. Donc même si l'État a arrêté, il n'a pas fait élection parce qu'il n'y a aucun parti politique qui peut participer dans l'élection faute de confiance. Deuxièmement, il reconnaît tout, eh bien presque 70% ou 80% dans le secteur privé a collé ensemble à demander des pales. Eh bien, je viens deux, trois gars qui étaient ça. Vinchita en dans la Kali avec lui. Côté M. Dinegio, lui déjà fait comme un ZAM pour faire l'autre massacre. En dans l'autre quartier populaire qui paisible en façon pour moun pas sortir dans la rue. Et le fait qu'on est encore li gagné international là derrière, spécialement les États-Unis d'Amérique. Il connaît yo toujours dit américains sont peuple moral. Automatiquement vagabond a camper maintenant sans donc li pas ka camper avec you. Et qu'on y a là ambassadrice américaine non pral gagné pour confirmer effectivement est-ce qu'il a supporté pile criminel ça yo qui en dedans palais national. Donc je dis nous avons une situation qui est extrêmement critique côté grand peuple qui dans grand goût, grand peuple qui dans chômage, grand peuple qui dans la vie, grand peuple qui dans tout problème santé et yo programmé yo insécurité sans pareil pour nous, ça veut dire tout le monde qui marche dans la rue, personne monde pas à l'abri. À noter, nous te ouais, il y a plusieurs journalistes qui victimes déjà. En dedans parlement haïtien, il y a un sénateur de la République PHTK, les amis, faisait trois mouns, parmi eux, un journaliste. Et Radio Télézénith, tout le monde, c'est pas là passé. Là, ils pas attaqué local radio physiquement, mais journaliste radio qui est dans la rue, ils ont attaqué. Et je dis à papa ici, pour intérêt, prendre responsabilité nous pour nous défendre. Au ministre de recueillement, avis, en mémoire, tous les camarades qui tombent dans la bataille. Merci en pile. N'a pas salué la presse parlée, écrite, télévisée et la presse en ligne. Nous constatons depuis un bon bout de temps, pouvoir Jovenel tête calée matelian, gagne une répression systématique que vous déclenchez dans le pays. Sorti dans le massacre La Saline qui fait dans la nuit 13 au 14 novembre 2018, côté environ 71, ont tué 71 personnes, plusieurs centaines de personnes blessées, certains là-dedans ont décapité et le monde entier a eu la possibilité de constater comment qui soupile fatra cochon à manger. Dans même la saline, il y a environ 10 femmes avec jeunes filles que ont violé et plusieurs maisons ont été détruites. Dans le jour qui était 19 avril 2019, là, dans Tokyo, pouvoir tête Kalea a organisé un autre massacre encore. Côté 15 personnes tuées par balle et plusieurs autres personnes blessées. L'un considéré
C'est de massacre en massacre pour voir ça marcher. Ça n'a pas traité là côté, dans le jour qui était 24 avril 2019 là, Cafoufeuille, eh bien, gouvernement ça, t'es organisé un massacre encore. Côté, t'es gain 6 personnes qui mourent et plusieurs dizaines de personnes t'es blessé. On l'autre côté, dans le village de Dieu, on l'autre massacre encore. Côté, t'es gagné environ trentaine de monde que ont tué et t'es gon centaine de monde qui blessé. Dans massacre Saint-Marc dernièrement, eh bien, même répression pour voir ça t'a fait, pas empêcher que ont tué trois jeunes garçons qui étaient derrière barricade. T'es gagné deux qui t'es mouru sur place et puis t'es gagné une qui t'a mouru à l'hôpital. Ça pas traité là. Nous constatons dans Bel Air, dans le jour qui était 6 novembre, non, eh bien, pour voir tête Kalea continuer à organiser massacre encore dans le pays. Côté dans Bel Air, il y a 15 personnes qui mourent et non seulement dans la famille. Ils ont tué 13 personnes. Ils ont incendié plusieurs maisons et gen en pile machine ak motocyclette que yo brûlé dans zone là. Ça pas arrêté là. Eh bien, hier encore dans Simon Pelé pouvoir Jovenel tête Kalea tuer trois jeunes garçons côté yo disparaître corps yo et deux les autres encore que yo joine corps yo boy truck là. Son pouvoir k'ap marché de massacre en massacre. Et nous sentons qu'il y a préparé pour continuer à faire massacre. Lors constaté, dans le jour qui s'est passé là, et je pense que l'ambassade américaine a une explication pour le bail sur la question. Ça. Côté, un citoyen passé un ensemble de ports, les États-Unis, pour que l'atterrisse en Haïti avec deux armes lourdes, deux armes de guerre. Deux âmes sophistiquées qui savent pas le faire avec eux, personne ne va connaître. Et son bagage, le monde entier constaté, dans le moment où il y a combat terroriste international, nous demandons que tout le monde s'est passé avec paquet de piles âmes, pour traverser par les États-Unis d'Amérique, qui, côté que y a un screening qui fait à peine fin. Donc, ça, il y a une explication pour le pays. Par rapport à un acte de brigandage comme ça. Comme ça, dans Léogane, hier après-midi, un jeune garçon a tué derrière une barricade encore. Sans compter, journaliste Néhémie Joseph a tué dans un balai. Et le jour funérailles Néhémie, il a assassiné un camarade que le Kadhafi. Et nous pas oublier camarades de lutte nous, au niveau Pétionville, pasteur Grégoire, que nous avons fusé. Heureusement, il a pris soin, il n'est pas mort. Dans Delma 40B, avant-hier encore, ils ont assassiné sous place un jeune garçon qui mourit pendant 5 les autres à l'hôpital pour prendre soin. Eh bien, dans Solino, pouvoir PHTK continue la répression encore, côté assassiner deux jeunes garçons qui jouent aujourd'hui et qui a préparé pour faire funérailles. Tout côté, tout partout, Okaï, Torbec, Jacmel, Cité Soleil, Canaran, tout côté dans le pays, il y a une répression systématique. Pendant ce temps, bien choisi. Il a préparé pour que un ensemble d'enterrements qui fait. Qui côté répression ça va aller? Qui côté Jovenel Moïse a mené pays à? Est-ce que moun qui dit aux amis Haïti capable continuer assister ensemble de répression ça a fait sous peuple là?